Ça sent le soleil. Ça sent le goût des vacances. Ça et le parfum du citron. Sauf qu'il y a du gluten dedans. Venez avec moi. Je vous offre ma délicieuse recette de rousquille sans gluten. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soigne ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Non, ce n'est pas la recette originale. Secret industriel oblige. Et puis, il n'y avait pas de gluten de toute façon. Ici, c'est ma recette développée pour vous, sans gluten et un peu pour moi aussi. Alors, prêt à découvrir la rousquille, emblème des gourmands du Roussillon. Fondante, gourmande, citronnée. Restez avec moi après le tuto, je vous donne le secret de son fondant. Le secret de cet irrésistible fondant, c'est tout simplement la cuisson. Un four pas trop chaud à 160 degrés, une plaque lâche-frite pleine d'eau chaude, surveillez la cuisson des dernières minutes et sortez le biscuit quand il est juste cuit. Laissez-les refroidir avant de les manipuler pour les enrober. Tous les détails de la recette sont juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Avec ça, vous êtes sûr de les réussir. Vous voulez d'autres recettes de gourmandise sans gluten et sans produits laitiers? Je vous mets le lien vers mon e-book gratuit juste en dessous de la vidéo.
Il y a dedans la recette du terrible fondant au chocolat et de la mousse au chocolat également. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. En attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.